What up guys, what up babes? Today I'm back for a new vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma valise, mon sac, ma sacoche pour aller en Espagne. Oui, je cache mon menton parce que j'ai un bouton. Bref, je te laisse avec la suite. Kiss bitch. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Voilà, là je vais commencer par sortir les fils ici. Sinon c'est triste de faire une valise et de remarquer que tout ça est à l'intérieur. Donc tu dois regalérer pour enlever ceci qui sert à bien serrer, à bien attacher les affaires qui seront dedans. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Déjà, il y a un truc qui est dingue avec moi. C'est que toutes mes affaires, elles sont pliées à l'envers. Bref, donc là, je vais le remettre. Pour tourner, et ensuite on va tourner comme ça pour bien le disposer histoire d'avoir le plus de place possible. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Pour des jeans, soit vous les pliez comme ça ou soit vous les laissez un peu comme ça. Enfin, je vais les laisser, non, je crois que je plie aussi pour qu'il y ait un peu plus de place. Voilà. On va commencer. Faut essayer de ne pas mettre tout le temps la même couleur, par exemple, pas mettre du noir sur du noir, histoire un peu de repérer plus facilement les. Pantalon, c'est waouh, toute ma vie. Mimi, je crois que je prends, je vais le porter le jour J, donc je vais pas le mettre dedans. Ensuite, vu que je m'en vais en Espagne, j'ai décidé de prendre genre que un pull, enfin bro quoi. J'ai vu la météo, il va faire chaud. Mais après, je vais vous expliquer un truc après. Là, c'est mon pull crop top, donc je vais le mettre comme ça là. Donc moi c'est une organisation que j'ai choisie. Il y a d'autres personnes qui vont choisir, enfin qui vont faire des tenues par jour. Moi j'aime pas faire ça. Parce que genre je m'habille en fonction de mon envie, genre du jour. Je veux pas faire des tenues à l'avance comme ça. Il vous faut un gilet léger, genre un petit truc comme ça, vraiment léger. Un gilet moyen et normalement un gilet lourd. Et vu que je m'en vais en Espagne et que j'ai vu la vidéo, je me suis juste arrêtée au gilet moyen. Voilà, bref. Donc là, je vais les disposer. Comment je vais les disposer? Allez, comme ça. Ensuite, moi, ma petite trousse qui vient de Yves Rocher, on me l'a offert. Il y a presque un an. Donc vous voyez, il y a des trucs de filles dedans. Ensuite. Aïe aïe aïe, je me fais mal. J'ai fait un petit sachet pour mettre ma crème. La crème pour les cheveux. Mon savon. Ma crème pour le corps. Je ne pourrais pas le mettre dans ma valise puisque c'est un truc que j'utilise en permanence. Du coup, je vais le mettre dans un petit sac ou dans ma banane. Bref. Vous allez voir juste après. En plus, ma valise, elle n'est pas grosse en tout cas. Du coup, je suis bien contente d'avoir pu mettre tout ceci déjà. C'est un très bon début. Donc là, j'ai mis un peu mes soutifs. Pas faire votre valise un jour avant. Plutôt faire 2-3 jours avant. Par exemple, là, j'ai mis encore des trucs à laver. Normalement, ce soir, je vais mettre genre 2 trucs, je crois, dans ma valise. Et ensuite, je pourrais la boucler pour le jour J. Donc après. Ça, je les ai achetés pas cher, 1,30€ à Action. Action, c'est toute ma life, my fucking life. Bref, enfin, les mains dedans. Il vous faut au moins un maillot dedans, on sait jamais. Même si vous allez quelque part où normalement c'est pas prévu d'aller à la piscine ou quelque part, moi je vous dis de toujours prendre un maillot dedans. Alors, petite anecdote, quand j'étais partie à Londres dans une famille d'accueil, j'avais pas pris de maillot dedans, alors que ma famille d'accueil avait un jacuzzi. Elle en met un peu de poudre.
Voilà. On met ça ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dedans j'ai un petit peigne. Bref. Ça aussi, je crois que je vais rajouter. Ça, on sait jamais, il faut toujours en avoir. Donc là, ça, je vais mettre dedans, je crois. En plus, elles sont nouvelles, je les ai pas utilisées, donc je peux me permettre. Bref, c'est le moment de... Il envoie l'avancée. Ah bah. Bah allez. Ah non, j'aime pas quand c'est en bas. Faut toujours monter en haut. Hop là. Bitch. Alors, dans mon sac, je vais mettre un parfum que j'ai acheté à Action. Ça s'appelle Marichès. Déjà, j'ai senti, il sent tellement bon. En plus, il sent la mangue. Enfin, il y a un petit côté mangue, sachant que je déteste la mangue. Là, j'ai bien kiffé. En plus, ça coûtait pas cher, donc voilà. Ça sent genre tellement bon. Du coup, je l'ai ajouté. Ah, mais j'ai... en plus, il y a déjà des trucs dans mon sac. Oh là là. Bon, bah, je vous explique un petit peu ce qu'il y a. Il y a ma crème pour les mains. Bon, je l'ai protégée pour pas que tout coule. Hein. You know what I'm saying, girl. Catastrophe. Ensuite, j'ai un porte-monnaie. Il n'y a rien dedans, mais bon, j'ai quand même pris. Ma petite brosse to cutie. C'est qu'à ma petite soeur, but, je l'ai pris. Ensuite, des trucs de filles, parce que you know what I'm saying. Après. Vu qu'on va s'arrêter dans le car pour déjeuner et tout ça, et là. Après il faut se brosser, du coup ça je le mets directement dans mon sac et non pas dans ma valise, mon déodorant aussi. Je prends deux sacs parce qu'on sait jamais, du désinfectant, ça c'est mon truc, ça c'est la magie, ça c'est pour enlever tous mes boutons, enfin les boutons, mes gros boutons. Moi c'est pas des boutons comme ça, moi c'est des boutons genre la mort qui tue. Mais genre, heureusement, j'en ai pas plusieurs. Genre, j'en ai un, deux, trois maximum sur mon visage. Donc, j'ai oublié de mettre ça dans ma valise. Tout ce qui est culotte et tout, bref. Hop là, problème résolu. En deux secondes, tellement ma valise, elle est fonctionnelle. Donc aussi, on nous a dit de prendre des stylos et tout. Du coup, je prends mon 4 couleurs déjà tout pété, là. Ensuite... je vais prendre un crayon papier, une gomme. Et une blanco. Donc je prends le nécessaire. Ensuite après dedans il va y avoir de la nourriture. Un gilet, des écharpes, tous les petits trucs que je prendrai de la dernière minute. Attends. Genre j'avais mis ça dedans sans le packaging là. Je vais vous acheter ça en plus, j'ai oublié de couper ça. Ah mes bandanas, faut pas que je les oublie. Ensuite, dans ma banane, je vais mettre bah, déjà ceci. Ensuite, mon vrai portefeuille où il y a des trucs dedans. Là je... c'est pas pour exhiber, mais c'est juste pour vous montrer que bref, voilà. Et le fuckway, donc on va prendre quelques petits trucs en Espagne. Ensuite j'ai ça, je sais pas, je crois que c'est mon père qui a mis ça sur la table, je me suis servi. Je crois que c'est genre tu branches à un truc, bref, je vais vous montrer pendant le vlog si j'utilise. Ensuite vous voyez le truc des avions là, même tu mets sur tes jeux et tout. Bref, j'ai ça, un petit mouchoir, on sait jamais. Pour l'instant, j'ai que ça, mais je sais qu'avant de partir, je vais mettre tellement de trucs. Genre. Tellement.